Oh là là, ça commence déjà. Résumé de God of War. Ah, oui, d'accord. Nouvelle paramètre. Pointe la caméra vers la cible la plus proche du réticule de visée, où qu'elle soit à l'écran. Classique. Je vais tout laisser classique, mais moi je voulais la difficulté. Nouvelle partie. Est destinée aux joueurs voulant suivre l'histoire avec une attention minimale accordée au combat. Voilà. Vas-y, ça. Et puis on baissera si jamais. Un méchant? Non. Oui. Tu as faim? Oh mais il a grandi! Et maintenant? Je prépare l'attelage. Tu veux de l'aide? Qu'est-ce que c'est, non? Un truc qu'il est pas censé savoir que. Enfin, un truc que. Il a un truc Atreus que Kratos ne. Ignore.
visiblement. Survivre à Fimbul Votre. J'espère que Fenrir a pu dormir. Il voudra peut-être manger quand on arrivera. Mais... très malade, Atreus. Je sais, mais pourtant il a l'air un petit peu mieux hier. Tant qu'il mangera, je ne veux pas baisser les mains. Oula. C'est elle ? C'est bien elle. Le symbole est proche. C'est pas vrai. Tiens-toi prêt. Ah oui, déjà comme ça là. Lâche-le. Je te tiens. Alors, on prend la distance. J'essaie. Là-haut. Attention. Les armes. Ils tombent. Oh ouais. On va échapper, belle. Elle revient à l'attaque. Je ne veux pas te combattre. Quoi ? Comment ça ? J'ai mal cliqué ? Elle revient à l'attaque ! L1 ? R1 ? Ah merde. Je vais pas tenir longtemps ! Gage des ! Accroche-toi ! Le symbole de protection est proche ! Oh non ! Elle revient à la chair et je... Aïe ! Mais elle a complètement pété un plomb, hein. Je crois qu'il n'est pas contente que tu aies tué Kinvey. Ah oui, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une confrontation là dès le début du jeu. On ne pardonne pas ces choses-là. Oui, mais bon. Tu es Baldur a dû marquer le début de Fimbulvetr. Il neige sans cesse depuis. Oui. Tu crois que ça s'arrangera un jour ? Un jour. Mais le pire est encore à venir. Nous devons faire face. Je vais le faire.
Encore une fois, le jeu est extrêmement beau. Hein. Je m'occupe du cerf. Ah. Mais il fait tout, le garçon. Régalez-vous. Je trouve qu'il est plus clair que l'autre. Après, j'ai boosté un peu la luminosité en vrai. Parce que tu sais, dans les nouveaux jeux, t'as toujours un réglage de lumière et de sombre avant de jouer au jeu. Et sur le stream, c'est toujours un peu plus sombre. Alors je booste un petit peu. C'est peut-être pour ça que t'as l'impression que c'est plus clair. Enfin, je sais pas si tu parlais de ça. Alors, j'ai pas mis la difficulté la plus facile. J'ai mis juste au-dessus en termes de difficulté. Si jamais on a la moindre difficulté, on n'hésitera pas à baisser et à mettre le mode DBB. Il est possible que, d'ailleurs, je me souviens pas trop, mais je pense que j'avais fait la même chose sur le jeu précédent. Et au final, on a mis la difficulté de bébé, donc peut-être que ça arrivera beaucoup plus vite que je ne le crois. Le mode gougou gagak. Du coup, nous sommes rentrés à la maison. Là, c'est chez nous, là. Oh, il est pas bien. Ça va, mon grand. Oh. Je suis là. Je sais. Manqué aussi. Poi poi. Où est ton repas? Tu as encore faim? Allez, mon grand. Il faut que tu manges. Mange. Quoi? C'est trop gros? Non! Tu dois te préparer. À quoi? Il mange encore, il veut vivre. Il est mourant. Tu es un bon loup. Un très grand loup. J'ai envie de chialer. Et fort. Mais tu peux te reposer. Non. D'accord. Ne t'en fais pas. Tu peux partir maintenant. Tu dois me laisser. Et ça chiale ici. Bah ça chiale hein. Oh mais comment ça? Ça commence comme ça. Mettez-nous de la bagarre là, par pitié. On va s'entraîner. Quoi? Ouais, on a besoin de bagarre là. Non. On est au beau milieu de la nuit. La nuit n'arrête pas.
quoi bon? Il ne fait que s'entraîner, sans répit. Ça suffit pas. On ne peut pas vivre caché. On ne se cache pas. On se prépare à un combat pour lequel on n'est pas prêt. Allez. Le temps nous est compté. Les prophéties disent que Fimbulvetr précède le Ragnarok. La guerre approche. Quel que soit le rôle de Loki, il commence dès maintenant. Mon histoire ne peut pas se finir dans ces bois. Je devrais partir. Découvrir qui je suis, qui est Loki. Oh, il commence à nous casser les couilles, là. Je ne veux défier personne. Je veux des réponses. Et si ces réponses mènent à une guerre contre Asgard? C'est la VF de Malcolm. Ah. Je ne sais pas ce que voulait ta mère. C'est possible, hein? C'est pas prêt de changer. Il y a quelque chose. Oui, l'impression sur les moments où il s'énerve. Oui, c'est très vrai ce que tu dis. S'il te plaît. Je peux rester un peu seul avec Fenrir avant de l'enterrer. Oui. Prends le temps, mes bouts. Putain, ça m'a bouleversé là. Je suis sur sa page wiki, c'est pas lui. Ah. Oh, Mimir. Hello. Mince. Je reconnaîtrais cette sombre expression entre mille. Tu veux me raconter ce qui s'est passé? Le loup est mort. Ah non, pas Fenrir. Comment va le petit? Au poil. Il va aller l'enterrer. Ah, bon sang. Bien, mon frère. Bonne nuit. Mais il va pas auprès de son fils pour l'enterrement, là ? Je sais pas. Il le laisse tout seul, ça va mal se passer, on va se bagarrer, c'est ce qui va se passer, hein, c'est sûr. Les mains de fou qu'il a, n'empêche. Ah oui! C'était quoi ça? Bizarre! Kratos? Tu viens avec moi? C'est sa femme, Faye? Je crois que oui, hein. C'était sa meuf, non? Oh, j'ai peur de dire des carabistouilles, mais je crois que oui, hein. Comment elle le regarde, là? Faye. Es-tu prêt? Tu marches comme si Ymir lui-même se tenait sur ton dos. Tu mènes la chasse. Je te suis. Très bien, grognon. Grognon. Oui, c'est sa femme, j'ai le check. Ok, merci. Au moins, il n'a pas souffert. Dois-je interpréter tes grognements? À quoi penses-tu? On chasse un prédateur. Un loup? Oui. Les prédateurs tuent. C'est dans l'ordre naturel des choses. Tes paroles sont... Je n'ai pas d'armes. Approche, doucement. Tout va bien, mon grand.
On veut t'aider. N'est-ce pas? Non, non, ne... Viens. Le loup malade que nous avons trouvé, il a passé le symbole. Comme je l'avais dit. Nous aurions dû agir. Ce n'était pas notre problème. Maintenant, ça l'est. Je sais pas bien si c'est juste un rêve ou si c'est un souvenir, genre. Si nous avons le pouvoir d'empêcher qu'il cause du mal, il nous faut agir. Qui sommes-nous pour ignorer et laisser faire? Nous ne nous cachons pas. Les prédateurs tuent. Tu me laisses me charger de celui-là? Ah oui, c'est un nom, donc. C'est bien. Non, moi, homme. Toi, femme. Appuyez sur rond pour vous hisser. Ah d'accord, c'est pas la même touche que... Faye. Ah. Faye. 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 Le temps presse, mon temps d'amour. Et il y a beaucoup à faire. Quoi? Mon frère? Oh. Bizarre! Où est Atreus? Pourquoi crois-tu que je beugle? Il n'est pas rentré après avoir enterré le loup. Ah ben voilà! Alors ça, on s'y attendait pas. Mimi, fais-moi un petit bisou, j'ai fait un cauchemar. Et j'ai donc ma hache, mais je n'ai que ça. Genre, je n'ai plus les lames du chaos, là. Que j'aimais bien. Je sais pas où je dois aller, moi. Le bas de Baldur est trop instable, mon frère. Il ne s'y serait pas risqué. Ça n'a pas été ouvert. Pas de traces par ici. Faut que je suive les traces? Ah ouais. Voyons. Des traces qui mènent à la rivière gelée. C'est certainement là qu'il a enterré le loup. Le feu se meurt. Où a-t-il bien pu aller ensuite? Il a rampé par là. Le sommeil semblait agité, plus que d'ordinaire. Des cauchemars? Je rêve du passé, presque toutes les nuits. Ah d'accord, donc c'est des souvenirs. La triste époque, en Grèce? Non, c'est comme si Faye voulait me dire quelque chose. Ne me dis pas que tu parles à nouveau au fantôme, mon frère. Non, mais c'est plus qu'un simple souvenir. Parle-moi, mon frère. Les traces s'arrêtent là. Et nous ne sommes pas seuls. Oh. Derrière toi, mon frère. Ah ouais, mais c'est...
Attends, c'est pas la même touche, ça me trigger. Paramètres, afficher les commandes. J'ai pas le moyen de modifier les touches. Mais pourquoi ils ont changé de touche entre les deux jeux ? Ils sont cons ! Bon, bah il faudra que je m'y fasse alors. Jetons un œil au symbole de protection. Il y a un arbre pas loin, non ? Alors ? Tu avais raison, le symbole est brisé. Cela explique nos visiteurs. Ah ouais, entre la croix et rond, ça switch de touche. Trop bizarre. Les interactions avant c'était croix. Mutilé. Mais par quoi ? Sauter c'était croix. Maintenant, c'est devenu rond. L'affrontement a brisé l'arbre. Les esquives aussi, c'était rond. Bien. Maintenant, c'est devenu croix. Les maraudeurs qui rôdent, il a dû chercher refuge. Suis sa piste. Nous le trouverons. Ah, nous devons passer ailleurs. Ne le trouverons pas ainsi. Suivons ces traces de sang. Ah, la piste continue de l'autre côté. Tu peux y arriver. Sais-tu ce qui a poussé le petit à s'en aller ? Une dispute. Il me reproche de me cacher de Odin. Ouais. Il est normal de faire profil bas après avoir tué trois des siens. L'heure du jugement approche. C'est pourquoi Atreus doit apprendre à survivre seul. Oh, c'est à propos de cette prophétie. Parce que tu t'es vu mort sur un mur géant plein de... prédictions, ma foi, c'est juste. Je ne crois pas aux prophéties. Eh bien, tant mieux. Je peux pas passer. Si. Tu crois aux prophéties, toi ? Je suis sceptique par nature. Mais nous avons vu des choses qui défient la logique. Donc, en tant qu'homme le plus intelligent qui soit, je suis totalement perdu. Ah ouais. Éveil de givre. Maintenez triangle pour charger la hache de givre et renforcer votre prochaine attaque. À distance ou au corps à corps. J'ai été trop lente. Ça m'a surpris. Comme on s'est regardé dans le blanc des yeux là. Pourquoi pas ?
Donne-moi ça. Ok. C'est par où? C'est là d'où je viens ou non, c'est là où je vais? Je sais plus. Je suis encore perdu. J'ai l'impression de revenir en arrière là, non? Voilà beaucoup de sang, mon frère. Ah non, il faut le trouver. Remettons-nous en quête d'Atreus. Franchis ce gouffre et nous pourrons suivre la piste. Tu te tais? Ah. C'est chez nous là, non? Attends, je suis revenu chez moi là? Mais je suis trop con. Ah. Putain, je suis trop con. Je me disais bien que je revenais sur mes pas. Oh. Et le jeu, il peut pas être plus... plus... explicite que... Remettons-nous sur la piste. Parce que, bon, le jeu me l'a dit, hein, que j'étais plus sur la bonne piste. Au moins, on sait comment rentrer. Ah oui, oui, oui. Bon alors... Faut être con quand même hein, pour revenir sur ses pas hein, parce que c'est le genre de jeu où c'est très linéaire. Je me trompe juste deux directions quoi. Entre deux directions, j'ai pas pris la bonne. Quand même fou. Je trouve ça un peu fou. Ah. Passer cette piste. Fais pas ça au bureau de vote, je t'en supplie. Une chance sur deux, j'ai voté. Merdez là. Non, non, il n'y a pas de risque.
C'est joli, hein. Eh, le jeu, les jeux, le jeu, il est beau, hein. Je sais à quoi tu penses, mon frère. Mais Atreus peut s'en sortir seul. Tu l'as bien éduqué. Il me le dit sans cesse. Mène dans cette grotte. Eh bien, on sait où on va. Je suis sûr qu'on peut y entrer discrètement. Discrètement. De cette manière, oui. Ce sont les maraudeurs desquels tu as sauvé les loups. Non. Ils sont là depuis. On n'est pas tout seul. Mort venue du ciel, jetez-vous d'un rebord en sprintant, puis en l'air appuyé sur R1 pour exécuter la mort venue du ciel. D'accord. Attends, quoi? Attends. Il faut que je saute. J'ai pas réussi. Elle a dit d'accord. Mais oui, mais parce que je pensais avoir compris au moment où je l'ai lu. Et visiblement, j'ai pas compris. Attends, je vais refaire. Parce que ça me trigger un peu. Je saute. Je le fais trop tard. Je saute. Non. Attends. C'est trop dur. C'est trois touches. Voilà, c'était ça. Bon bah je le saurai pour la prochaine fois. Peut-être. Bravo. 100% je vais oublier la prochaine fois. Peut-être. Prends ça, casse tous les bancs. Oh, y a une petite crack là. Non. Mais casse les trucs. Ok. Elle a une foule.
attention, mon frère. Quoi? Attention à quoi? J'ai pas compris. J'ai pas écouté. On devrait arriver discrètement, Pépite qui pète tout sur son passage. Ah oui. C'est vrai. Mais oui, mais il y a du loot. Je crois quand même pas que je vais laisser le loot. Ça ne me ressemble guère. Aller là. Et là, il y a un truc. Et mon loot. Ouais. Comment ça? J'ai été plus rapide. Ah ouais, attends, c'est le moment de faire ça. Non, c'est le moment de faire comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, ça marche trop bien. Je l'ai pas touché du tout. Je sais pas pourquoi je les ai affrontés en fait. Ça servait à Kochi, non? Bien, ce n'est pas plus mal. Trouvons une sortie. Peut-être qu'Atreus cherchait un abri et a poursuivi sa route en voyant. C'est les pour l'XP. Ah oui, bah ça sert à pas Kochi alors. Sacré carnage, faut bien le dire. Crois-tu que l'ours pour chasser Atreus? Oui. Ou alors l'ours était blessé et Atreus le poursuivait pour l'aider. Tu connais le petit. Pour montrer virilité ou quoi, homme fort. Ah oui. Atreus, où es-tu? Où Gautier? Ah ouais. Ouh là là. Nous tenons l'eau. Ah, il a l'air en colère. Ah, ne peuvent pas être bloqués, vous infligeront des dégâts à travers votre garde. D'accord. Mais putain, je me trompe de touche. C'est vrai que c'est croix, c'est pas rond. J'étais là, mais pourquoi ça marche pas? Aïe. Oh non.
Aïe. Derrière toi, attention. Frère, saisis-le. Il semble secoué. Petit, petit ours brun. Voilà, tu choisis toujours l'ours dans la forêt. Est-ce que c'est une ref à... à Baldur's Gate 3 que je ne peux comprendre puisque je n'ai pas fait le jeu. Quoi ? Atreus ! Atreus ! Atreus ! Rien capté. Atreus ! Quoi ? Doucement, concentre-toi, Kiri. Rien capté. Pourquoi l'ours c'était Atreus ? Je te souviens pas. Non, c'est la ref. Tu préfères croiser un homme ou un ours dans une forêt ? Après, je ne sais plus. Des cums étaient vénères que toutes les meufs choisissent l'ours. Puis j'ai ressenti de la colère. Et je me suis transformée en ours. L'avoir couru. J'ai vu un ours. Je l'ai mangé. Il l'a chargé et je l'ai attaqué. Mais ça devait être un rêve. Tes émotions, elles t'ont transformé. Je savais pas que je pouvais faire ça. Idem, je choisis l'ours, ma chère et tendre aussi. C'est juste logique. Ce n'est pas toi. Tu n'y es pour rien. Elles ont pris le dessus. Juste les gars qui font qu'on choisit l'ours sont pas contents qu'on leur dise non, même sur un truc hypothétique. Oui. Il serait dangereux sans la discipline pour les contrôler. Tu m'as déjà enseigné la discipline. J'ai besoin de plus. Il me faut des réponses. Et tu ne les as pas. Seule ta mère avait ses réponses. Waouh, il a failli le frapper. Il a failli le frapper là, ça m'a fait peur. Et s'il y avait quelqu'un qui pouvait nous aider ? Quelqu'un qui aurait des réponses sur les géants et le rôle qui est censé jouer Loki ? Atreus ! Je ne devrais pas savoir ce que je vais devenir. Atreus, écoute. Écoute-moi. Écoute-moi. L'inaction est aussi un risque. C'est toi qui me l'as appris. Arrête de penser comme un père et pense plutôt comme un général. Non. Non. Et tu es tout ce qu'il mérite. Je ne veux pas te perdre toi aussi. J'ai du son qui sort de ma manette. Vous récupérez automatiquement une petite quantité de santé après un... J'ai pas lu. Yes. Après un combat. Je sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de lire. Oh oui. Par ici. Alors, va-t-on parler de ton fils qui se change en ours ? Oui, dis-nous. Pas maintenant.
Nous devons réparer le symbole de protection et rentrer. Qu'est-il arrivé au symbole de protection? C'est toi. Alors c'est ma faute? Ce n'est pas oui. Ce que j'ai dit, Atreus. Non, mais c'est ce que dit ta voix. Y'a quelqu'un. Flèche du compagnon. Utilisez carré pour demander à un compagnon d'attaquer. Les flèches infligent des dégâts d'étourdissement et se rechargent progressivement. Le nombre de flèches disponibles s'affiche en bas à droite de l'écran. Ton signal, père. Je peux faire le reste du travail. Voilà. Aïe. Alors, petit, hormis ton don pour les langues et le fait que tu lises dans les pensées des créatures, as-tu développé d'autres pouvoirs magiques? Pas vraiment. Et pour Fenrir? Quoi, Fenrir? Quand il est mort, tu as jeté un sort. Non, je n'ai rien fait. Mais j'ai vu une lumière. Je ne vois pas de quoi tu parles. Bizarre. Je connais ça. Il est dans le déni. Je sais où nous sommes. On est déjà venu ici. Ah bah maintenant nous savons rentrer. Sérieusement ? De toi ou de la proie que tu traînais, je suppose. Je ne sais pas si je trouve ça rassurant. Celui-là. Oh non. Je voulais pas. Qu'importe les intentions. Seul compte le résultat. Que pouvons-nous faire? Rien. La nature fera son œuvre. Oh. Mais c'est trop triste le début du jeu là. La tempête approche. C'est trop chiant, ça m'a trop saoulé là. Pourquoi ils font mourir des animaux là? Était comme ça toute la nuit. Il devait être à l'intérieur quand j'ai refait le symbole.
J'aimerais tant que le temple de Tyr puisse encore nous permettre de quitter Midgard. On dit que Fimbulvetr touche tous les royaumes, petit. Peut-être, mais je doute que ça puisse être pire qu'ici. Hé, hey, Svanna. N'aie pas peur. Tu es courageuse. Là, c'est bien. C'est ça. Il sait y faire. Et ce n'est pas étonnant. Speki, tout va bien? Ce n'est qu'un peu d'orage. Non. C'est bien. Atreus! Je voulais juste voir... Oli! Oui, père. Bon. Ok. Mirking. Oh bah. Ok. Cette soirée était un peu trop agitée à mon goût. Quoique, je dois avouer que cela m'a rappelé le bon vieux temps, naviguant tous les trois dans des bois jusqu'alors parfaitement inconnus. Ça fait longtemps que tu nous as pas accompagnés. C'est vrai. Ah, non, je fatigue, certainement. Qui a chassé un cerf les a tous chassés. Comment peux-tu fatiguer si tu ne dors jamais? Il y a toutes sortes de fatigues, petit. Tu le verras en vieillissant. Oh. Dodo. Mes frères, on voit toujours les choses sous un meilleur angle quand il fait jour. Oh là là. Mais tu es qui toi? Qui es-tu? D'où y es-tu? Je peux entrer? Non. Oh, c'est Thor. J'ai à boire. Tu ne me trouverais pas de bonne compagnie. Oh. Je suis sûr qu'on a beaucoup à se dire. Ah bon? Salut, petite moufle. Ah oui. Il a l'air imposant. C'est coquet. C'est coquet. C'est coquet coquin.
Ça m'a l'air un peu tendu. Bizarre. Tu aurais pu le dire avant que je serre. Que fais-tu là? Moi, je suis venu par courtoisie. Par courtoisie? Ah, mais fallait rester chez toi. Tu sembles être quelqu'un de calme et de raisonnable. Pas tant, hein, pas tant. C'est le cas. Tu es une personne calme et raisonnable. Quand la situation l'exige, je sais... Je me mute un peu parce que je mange en même temps. Je crois que le moment est bien choisi. Ouais. Ah mais t'es pas venu tout seul. T'as ramené des copains. Oh il a l'air charmant. Je l'aime beaucoup déjà. Tu sais qui je suis. Avant l'arrivée de l'hiver, il y a eu des malentendus. Plutôt regrettables. Mais je crois qu'on a tous une idée plus précise de ce qui se passe. Bon, ce que tu as fait à ses fils... légitime défense. La mort est ce à quoi les As aspirent. Et soyons honnêtes, ils n'étaient vraiment bons à rien. Mais Baldur... Lui, il avait de la valeur. C'était mon meilleur pisteur, mon atout. Certes, il était complètement fou. Mon atout cœur, mon coup de poker. Est-ce que tu me suis? Vous venez pour négocier? Tu as une dette. Tout ça ne m'amuse plus. Qu'est-ce que tu veux? La paix, ça te tente? La paix? Qu'en pense donc notre vénérable dieu de la guerre repenti, si on ne s'entretuait pas pour changer? Tu restes à la maison, bien sagement, et tu arrêtes de me chercher querelle. J'en ferai autant de mon côté. Bien sûr, il faut que celui-ci renonce à ses recherches pour retrouver Tyr. Nous savons ce que tu mijotes, alors arrête. L'époque de Tyr est révolue. Il est mort. J'ai compris? Et puis nous serons quittes. Je vais même ajouter un bonus. Je te laisse garder le prisonnier. Celui que tu m'as subtilisé. Eh oui, je sais que tu n'es pas loin. Tu te planques, espèce de sale petite raclure baveuse. Nous sommes censés te croire sur parole? As-tu jamais tenu une seule promesse? Le voilà, mon vieux complice d'autrefois. Où ce qu'il en reste? S'il te dit que la neige est blanche, il te ment! C'est quoi ces inepties? La tête la plus intelligente du monde ne voit donc pas plus loin que le bout de son nez? Ne comprend-elle pas que l'on cherche la même chose? Voilà une offre que tu ne sauras pas refuser. Je règle ta dette. Envers mon ancienne compagne. Ainsi, je te débarrasse de Freya, et comme cela, ta progéniture est protégée. Bah, nous, je vois pas en quoi ça nous pose problème en vrai. On va dire oui. Le problème, c'est que on a un fils qui est con.
Je le préchote, hein, mais on a un fils trop con, et du coup, lui, il va faire ses bails. Il va rompre le contrat, et du coup, on va se fight avec le monde entier. Parce qu'il n'en fait qu'à sa tête. C'est ça qui va se passer. Alors, qu'en penses-tu ? Ah ok. Bizarre. Ne traîne pas trop. Beau tété. Enfin. Ah d'accord. J'attendais. Tu n'es pas d'ici. Nous avons une tradition appelée les dettes de sang. Ça veut dire que je prends une part de toi pour ce que tu as pris à ma famille. Sois là. Une part de moi ? Ça, c'était pour ma vie. Maintenant, montre-moi ce tueur de dieu de quoi tu parles. Ah. Comment as-tu pu devenir dieu de la guerre ? Je ne voulais pas de ce combat avec ton frère. Ce n'est pas mon problème. Tu m'insultes en te retenant de la sorte. C'est pas sympa ça. Je n'arrive pas à croire que tu les aies vaincus. Cesse de te retenir. Attends, tu permets que je prenne ça? Merde, mais je me trompe de touche à chaque fois que je fais rond. Tu
abruti! Tu crois qu'il suffit de t'installer ici et de devenir père pour prendre un nouveau départ? Ça ne marche pas comme ça. Tu es un destructeur comme moi! Mais. Je décide quand c'est fini. Ah bah voilà, me disais bien. Je ne partirai pas avant d'avoir vu qui tu es vraiment. J'étais là, bah le jeu alors il triche. J'ai appuyé. Pom pom. Aïe. Alors c'est ça le dieu qui a massacré tout un panthéon parce qu'on l'avait vexé. Aïe. C'est ça le dieu étranger qui a vaincu Baldur. Bah alors le petit tricheur. Maudit ! Même dans la mort, tu le gardes pour la fin. Qu'est-ce que tu as dit ? Maudit est venu à nous parce qu'il te craignait. Il est mort des blessures que tu lui as infligées. Oh, écoutez un peu le papa. Ça semble familier. Quoi ? Peu importe. Je ne suis pas venu pour que tu me dises comment on fait mes enfants. Je veux voir le dieu de la guerre. Tu as commencé. Je vais y mettre un terme. C'est ça l'homme qui a vaincu Sigrun, reine des Valkyries. Malin. Mais ça ne suffira pas. Je vois pourquoi mes fils sont perdus. Même si tu n'es plus celui que tu étais. Il a tué la reine des Kiri. Je ne suis pas comme eux. Quant à ton fils, le père de toi a des projets pour lui. Le voilà. Voilà le dieu de la guerre. Tu viens de payer ta dette de sang. On se reverra. J'ai jeté une dent comme si c'était un truc qui l'encombrait là.